أساس مسن تلويت في اللون. Au nom du peuple kabyle, je vous salue. Cette intervention est importante au moment où la coprésidente de notre ONG, le Congrès mondial Amazigh, est en prison pour sa détermination à promouvoir et défendre les droits des peuples en général à l'autodétermination et du peuple kabyle en particulier. Je rappelle qu'ils sont plus de 500 jeunes autres kabyles à être en prison comme elle, pour leur même amour pacifique pour la liberté. L'Algérie criminalise le droit de la Kabylie à son autodétermination pendant qu'elle en fait la promotion par voie terroriste, quelquefois ailleurs. Je salue les interventions de M. Anaya et de Mme Gomez ce matin, qui ont exprimé les limites actuelles faites à ce droit. Je propose qu'un groupe de mécanismes d'experts soit institutionnalisé au niveau de l'ONU et soit membre d'office de la 4e commission chargée de la décolonisation. Elle aurait à recevoir, étudier et éventuellement soutenir les demandes des peuples autochtones à inscrire leur territoire sur la liste de ceux qui sont à décoloniser, comme le réclame pacifiquement la Kabylie, pour elle-même, par la voix du mouvement pour l'autodétermination, le MAC, et de la Naval, son gouvernement provisoire kabyle en exil. Nous vous invitons à cet effet à assister ce samedi 20 avril 2024 à la cérémonie de proclamation de la renaissance de l'État kabyle qui aura lieu devant le siège de l'ONU à 13h40 et je vous remercie. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.